Et bien bonjour à tous les amis, c'est Paul Jumper, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va plutôt nickel, comme d'habitude, comme j'ai envie de dire. Et bien écoutez, les amis, on se retrouve pour du hard classique. Comme d'habitude, ça fait toujours plaisir de revenir dans mon empire. Oui, je peux me permettre de dire mon empire. Oui, j'ai dit empire parce que j'ai bâti tout ça de mes propres mains. Bon, mes dinos m'ont quand même filé beaucoup de mains pour les ressources. Et je voulais vous remercier, comme vous le savez grandement les amis, comme d'habitude, pour le tonnerre de pouces bleus, de commentaires et d'abonnements. Merci, merci les amis, merci de... Oh là, tu m'as fait vachement peur, j'ai cru que... Non, Wolverine, barre-toi, tu m'as fait peur, hein, tu m'as fait très peur. Merci encore les amis de me suivre de plus en plus nombreux, que ce soit sur la chaîne tout entière. Ou alors, j'ai même sauté de mon siège quand je viens de dire ça. Je sais pas si t'as entendu, ma voix elle est partie en sucette, tu vois. Hein. Plus sérieusement, merci de me suivre toujours, les amis, de plus en plus nombreux sur la chaîne, que ce soit sur Arc, que ce soit sur les autres séries. Enfin, c'est génial. Merci beaucoup et pour votre participation d'ailleurs dans les commentaires. Et en parlant de participation, ça vous avait beaucoup plu. Écoutez, la dernière vidéo, j'avais chassé avec mes giganos et vous étiez à 80%, je dirais, très satisfait des deux noms que j'avais donné, bien évidemment, aux jumeaux, qui est bien sûr Tic et Tac. Voilà. Donc, les amis, aujourd'hui, on va retourner en chasse. J'ai quelque chose d'incroyable à vous montrer, que j'ai croisé. J'espère que la bête n'a pas disparu. Quand je l'ai vue, je me suis dit, ok, il ne faut pas que je, comment dire, je laisse le jeu tourner trop longtemps, de peur, bien sûr, que cette créature, que vous connaissez très bien, est disparue. Les amis, j'ai l'honneur de vous dire que j'ai croisé un Alpha Mosasaurus. Et on va aller le voir, et oui, et on va essayer de le tuer. Je dis bien essayer, parce que je ne connais pas du tout le potentiel de ce Mosasaurus. Je l'ai vu, j'avoue, de très loin, bien évidemment, mais voilà, j'ai pas osé, enfin, je peux pas vous en dire plus, voilà. Donc, en fait, si vous voulez, je vous explique. J'ai voulu faire un petit tour avec mes, comment dire, tous mes petits potes qui sont dans l'eau, bien évidemment, mes galodons et tout, parce que j'avais prévu de chasser un petit peu en bande, hein, pour les nourrir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que eux, là-bas, malheureusement, ils n'ont pas de box qui les nourrit, contrairement à tous les autres. À tous les autres, ils ont tout simplement des box dedans, je mets de la bouffe, et du coup, ils se nourrissent. Tandis que eux, là-bas, ils ne se nourrissent pas depuis un long moment. Il a fallu, bien sûr, que je ramène de la viande et tout. Et plutôt, on va dire que, j'ai envie de dire, de s'embêter, entre guillemets, à prendre un par un chaque truc, comme le... Enfin, chaque copain, j'ai envie de dire, comme le mégalodon, le tsutotis, etc. J'ai préféré les mettre en agressif, mais on suit, comme je fais, bien sûr, avec les giganos, et ça a bien marché, voilà. Ils ont eu assez de bouffe pour être tranquille. Donc, bah, écoutez, les amis, on va y aller, c'est parti. Alors, par contre, on va pas prendre mon gang, hein, mon groupe, c'est pas facile, vraiment. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens dans les commentaires qui disent, oh ouais, mais ça serait trop bien que t'ailles tout simplement, sous avec tous tes petits potes là et que t'ailles tout simplement chasser, etc. en groupe. C'est vrai que c'est une bonne idée, mais c'est très complexe parce que, bah voilà, ça peut arriver que j'en perde un. Mon mégalodon peut très bien se faire tuer par une tonne de mégalodon et ça peut rester quand même très compliqué. Donc on va quand même rester, j'ai envie de dire, avec le, comment dire, le, tous les autres, comment dire, comme par exemple le Tsutotis, on va rester avec eux de base, voilà. Je préfère largement, j'ai pas envie de les perdre, ça serait vraiment dommage d'avoir une immense perte comme ça, et c'est pour ça que on va y aller seulement avec mon Kraken. Dans tous les cas, le Kraken va très vite. L'Alpha Mosasaurus normalement ne devrait pas monter, n'aurait pas allé jusqu'à la surface, hein, ce qui n'est pas son cas. Alors, par contre, je sais plus où j'ai mis dernièrement mon équipement. Attendez, faut que je le retrouve. Voilà, c'est bon les amis, j'ai retrouvé l'équipement bien évidemment nécessaire pour aller sous l'eau, c'est-à-dire via ce scuba. Donc voilà, il fallait que je vous montre un truc aussi les amis, il faut que je vous montre un truc avec la baleine. Ça c'est grâce à vous que je l'ai appris tout simplement. En gros, on peut tout simplement faire un saut avec cette baleine. Alors oui, ça n'a rien de très spécial, mais c'est très sympa, c'est très joli. C'est peut-être un clin d'œil aux baleines, hein. Et oui, 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 je l'appelle ma baleine. Moi, je sais que c'est pas une baleine, mais je l'appelle baleine. Donc regardez, hop. Et voilà. Oh, elle fait même un arc-en-ciel. J'avais jamais fait gaffe en fait, parce que j'avais sauté avec, mais j'avais, en fait, j'arrivais plus à regarder comme ça. Et avec le soleil, ça, on s'en rend pas compte. Oh, c'est super joli. Oh, c'est trop kawaii. Oh, c'est génial. Bon, alors, fin de bavardage. Maintenant, il est temps, bien évidemment, de foncer. Alors, bien évidemment, je vais pas m'équiper tout de suite. Hein, vous doutez bien de tout mon équipement scuba. Hein, c'est la petite technique qu'il faut savoir. C'est que vous, bah, vous le savez ou pas. Quand vous équipez tout simplement de la tenue de plongée, et bah, bien évidemment, elle est, comment dire, elle s'endommage au fil du temps. Hein, bien évidemment, il va falloir du coup la réparer. Bon, ce n'est pas un problème, j'ai envie de dire. Mais vu toutes les ressources que j'ai. Mais c'est vrai que plus on peut économiser, on va dire, les points de résistance, on va dire, de mon stuff, ça pourrait être carrément mieux. Et le mieux, c'est tout simplement, bah, écoutez, de ne pas le prendre.
monde et du coup, enfin si, de pas le mettre tout de suite, mais quand vous voulez aller dans les fonds marins, bah vous le mettez seulement à ce moment-là, pas la peine de regarder, de se balader comme ça, sous l'eau, avec l'équipement, on peut très bien aller au-dessus, enfin voilà, c'est une petite technique que je vous donne au cas où vous y jouez, parce que vu que maintenant, il y a Ark sur PS4, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui jouent à Ark, ce qui n'était pas le cas avant, parce que bon, c'est quand même un jeu qui consomme encore beaucoup d'énergie, hein, sur le PC, et je peux vous assurer que même pour moi, c'est très dur de le faire tourner. Ok, oh, mais bon, ça va, on est bien, hein, franchement, le jeu est magnifique, on a hâte quand même qu'il sorte officiellement, hein, c'est-à-dire que, qu'après, tout le monde pourrait le faire tourner, tu vois, voilà. Il se fait un petit peu les tentacules, tu vois. Nous on dit je me fais mes dents, je me fais les dents sur le, tu vois, sur ça avant de pouvoir foncer au combat. Bah lui il se fait les tentacules, tu vois ce que je veux dire. Donc bah écoutez les amis, je vous retrouve une fois que j'aurai retrouvé bien sûr le Mosasaurus Alpha. Je vous dis à toutes les amis. Et voilà les amis, c'est bon, je suis arrivé à la zone en question où j'ai trouvé l'Alpha Mosasaurus. Alors il faut le savoir, c'est que vous allez dire mais attends mais tu l'as jamais vu, ben, c'est un truc de fou, depuis le temps que tu vas jusqu'aux grottes et tout là-bas sous-marine, tu... Oula, y a le gang de requins qui arrive, attends, on va les démonter. On va les démonter. Oh, voilà. Allez, ça c'est rapide. Alors, pourquoi je l'avais jamais vu? Oh, il est bizarre lui. Parce que, tout simplement parce qu'en fait, vous voyez où je suis? Je suis au niveau de l'île. Alors attendez, je vais vous montrer sur la carte. Mais c'est quoi tous ces mégalodons? Ah, du coup, t'as peur, hein? Ah, espèce de lâche. Donc... On va se mettre à la hauteur comme ça pour pouvoir... Est-ce que je peux lire la carte là-dessus ou pas? Oh, il faudrait quand même pas que je descende. C'est paisible hein, quand même ici. Ah si, alors voilà. Donc, voici la carte. Donc vous voyez ma maison qui est en bas à gauche. On est d'accord. Tout en bas à droite, vous avez un petit bout de terre. Vous voyez, c'est en 83 à peu près, en 85. Ouais, 83 en longitude. Et bah en fait, derrière cette île... J'espère que c'est bien de celle-là. Que je... Oui, c'est celle-là, oui, c'est bien, là, parce que celle-là en haut à droite, c'est celle des Carnots. En fait, en dessous, cette île, derrière cette île, tout en bas à droite, dans l'angle, tout simplement, de la map, et bah, en gros, je n'y suis jamais allé, tout simplement. Et on peut effectivement trouver des Mosasaurus à cet endroit, mais aussi au nord, là où il y a mon doigt. Alors là, par contre, ça va pas le faire, hein. C'est qui m'attaque comme ça, là? Je me fais attaquer par qui? Attends, je vois même pas par qui je me fais attaquer. Je prends des dégâts? Réellement? Bah non. Attends, c'était pas le titan. Ah, c'était... Ah, d'accord, ok. Ok, c'était le mégalodon, mais j'ai même pas vu, tu vois. J'ai même pas... Attends, on va... Miam, 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 miam. Voilà, on va le manger. Ok, bah excusez-moi, je l'avais pas vu. Alors, et du coup, ça fait que, en gros, oui, parce que... Hein, j'arrête pas de me faire interrompre, ça m'énerve, ça. Hein, dis donc. Je peux jamais être tranquille. Et bah, en gros, je me suis dit, bah tiens, c'est vrai, je suis jamais passé par là. Ça se trouve, il y a une grotte et tout. Ça se trouve, il y en a une, hein, mais j'ai pas fait gaffe. Et c'est là que j'ai vu cette bête monstrueuse, magnifique. Splendid, enfin tous les mots, tu vois tout ce que je veux dire. C'est vrai qu'on voit vachement mal sans le masque, hein. Même avec le masque, on voit. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment baissé la luminosité du truc. On va pas se mentir, c'est clair, hein. Enfin, en gros, on voit moins bien, quoi. Donc, là, le but, ça serait donc de le tuer. À savoir que si vous tuez un Alpha Mosasaurus, là, normalement, je suis sûr, on peut avoir un skin pour le lance-patate. Voilà, enfin pas pour le lance-patate, je crois que c'est des munitions qui font en gros feu d'artifice si vous préférez, voilà. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir le grapper étant donné que c'est un beau pépère très très gros, hein, quand même. Hein, il est très 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 gros. Y a plus personne, c'est bon? Non, parce qu'il faut vraiment que je nettoie la zone parce que je ne connais pas du tout ces dégâts et j'ai peur de me faire défoncer, réellement pulvériser. Et j'ai pas envie de perdre mon Kraken, je l'aime trop. Voilà, et puis vu qu'ils vont tous être contre moi, en gros je vais me retrouver tout seul. Ça serait dommage. Donc, le Mosasaurus, l'Alpha Mosasaurus, a l'air plus rapide, plus résistant, ça on s'en doute pas, hein, on n'en doute pas du tout, on se doute bien qu'il fait très mal. Je suis sorti du Kraken ou quoi? En fait, on est un peu bugué des fois, hein, j'ai l'impression, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Non mais tu vas me laisser tranquille! Mais c'est pas vrai, il est en moi là! Je comprends pourquoi des fois c'est un peu bugué, voilà. Et moi je veux voir, voilà, je vais essayer de me rapprocher un peu au maximum. Du Mosasaurus. Voilà, et regardez, en gros, il est tout rouge. Il est splendide. C'est une bête incroyable. Alors, malheureusement, on ne peut pas le tame, à moins que c'est échangé. Ouh, il arrive. Ok, alors attends, est-ce que je peux le grappe? Ah, je peux pas le grappe. Ok, j'en étais sûr. Alors là, il va falloir se battre intelligemment. Oui, je veux remonter. Vas-y, remonte. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, remonte. Ok, alors ce qui est bien avec le Kraken, c'est qu'on va pouvoir régénérer notre vie. Ok, là, à partir de cet endroit-là. Ok, il attaque quand même, hein. Ok, il attaque encore. Ok, non, il lâche l'affaire. Alors, le truc, c'est que j'aimerais bien savoir ses points de vie. Est-ce qu'on peut utiliser... On peut pas utiliser la loupe. Ah, si, on peut utiliser la loupe. Ah, nice. Attends. On peut pas voir ses points de vie. Ok, niveau 6.
Alors le Kraken fait mal, mais il fait pas tant mal que ça, quoi. C'est ça le problème. Si je peux pas le grab, ça va être chaud, hein. Oh, ça va être chaud patate. En plus, il est vachement long au niveau pour attraper. Vas-y, vas-y, attrape, voilà. Pompe le sang de la victime. On va faire comme ça, vous savez quoi? On va descendre. Alors, ça va être un combat de titan. Là, pour le coup, on va descendre. On va l'attaquer, on va remonter. On va faire que ça. En gros, on va être obligé de y aller comme ça. Ok, là, on est pas mal. On est pas mal. Allez, vas-y. Allez, vas-y, démonte-le. Allez, attaque, 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 attaque. On sait que tu fais mal en plus. Va pas faire genre que tu fais pas mal. Voilà. Et là, on remonte, on remonte. On remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on regarde pas derrière nous. Je suis sûr qu'il me suit. Non, il me suit plus. Ok, impeccable. Et là, on va essayer d'attraper. Tiens, un plésiosaur, impeccable. Faut s'en garder un petit à se mettre sous la dent au cas où. Alors, le plésiosaur. Allez, viens là. Voilà, merci. Et là, on pompe le sang de la victime. On pompe le sang de la bête. Voilà, impeccable. Oh yeah. Alors, ça, c'est facile. En plus, il a masse PV. Impeccable. On se fait plaise. Ah, il y en a deux. Fuck. C'est pour ça que je perds mes points de vie à mort. Il y en a deux. Allez, allez. Allez. Tue-le. Tue-le. Et remonte, 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 remonte. Voilà. Ok. Alors, ça va être quand même assez long hein, comme stratégie. Mais franchement, je vois pas d'autre solution. J'aurais pu prendre mon Mosasaurus et tout. Mais ça aurait été hyper compliqué. Hein, réellement. On va redescendre. Sans s'attirer un mégalodon, par exemple. C'est une bête erreur au monde. Alors, par contre, on voit que d'elle. On ne voit absolument rien. Est-ce qu'il va venir? C'est bon, il va venir. Allez, je suis là. Je suis pour toi. Je suis venu pour toi, là. Allez, vas-y. Viens te battre. Viens te battre. Voilà. Comme ça. J'ai l'impression qu'il saigne. Il saigne un peu, quand même, hein. J'espère qu'il saigne, hein, parce que... Oh là, il est magnifique. On n'aura jamais une meilleure vision comme celle-là. Allez, 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 allez. Allez. Les dégâts, ça fait mal. Ah, ça fait mal, les tentacules, hein. Ah, ça fait mal. Hein. Tu souffres, hein. J'espère qu'il souffre. Je connais pas ses points de vie. J'espère juste qu'il prend cher parce que alors là. Ok, encore. Allez, jusqu'à temps que la petite barre se barre. Voilà, c'est barré. Et on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Je pense qu'il n'y a pas meilleur comme technique. Clairement. Voilà, on remonte à la surface et on se met là. Ok, bon. Alors. Ah, si je pouvais connaître ses points de vie, ça aurait été top quand même parce que. Il y a un petit mégalodon qui arrive. Est-ce qu'il va m'aggro ou pas? Hop. Alors, à mon avis, ça va être peut-être un combat en accéléré, je sais pas. Vas-y, attrape-le. Voilà, impeccable. Allez, hop. Et on récupère les points de vie. Easy peasy. Voilà, impeccable. Bon, par contre, je suis obligé de te tuer, mon petit dauphin. Je suis vraiment désolé. C'est pas prévu. Mais j'ai besoin des points de vie, voilà. C'est un peu l'excuse des vampires, tu sais. Je suis désolé, Bella. Je t'aime. Mais j'ai besoin de sang pour vivre. Voilà, donc c'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Allez, vas-y, donne-moi. Ok, ils sont tous en train de me gêner plus qu'autre chose. Est-ce qu'on aura un autre mégalodon dans les parages? Je sais que j'arrive pas à croire que je demande ce genre de choses, mais... le petit plésiosaur là-bas, là. Ouais, lui, là. C'est bon? Allez. Allez, viens. Je t'attrape. Je t'attrape. Allez. Merci. J'aspire le sang de la victime. Oh, ça fait mal. Oh, oui, ça va faire mal. Mais c'est pas grave. C'est pour la bonne cause. Voilà, et là, regardez, je suis full PV. En vrai, je pourrais le lâcher, hein. Je le reprendrai tout à l'heure. Ça peut être une bonne chose aussi, regardez. Hop, on le lâche là. De toute façon, regardez, si je monte, il va lâcher. Ouais, il se barre, donc tranquille. Allez, je monte, 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 monte. Voilà, ok. Bon. J'espère qu'il régène pas très vite. Parce que je compte pas. Je compte pas, comment dire, rester 5 heures ici non plus. Hein. Ah non, non. C'est pas non. Ah, il va venir me tuer. Il va m'embêter. Bon, je vais être obligé de le tuer. Allez, c'est parti. On y va. J'ai pas le choix. Je suis obligé de te faire mal. En plus, regardez comment je lui fais super mal. Je veux dire, si tu me dis que, comment dire, je n'arrive pas à faire super mal au Mosasaurus, je comprends pas. Hein. Parce que ça peut être un alpha, et un Mosasaurus, les plésiosaures, ça masse PV. Hein. Allez, vas-y, on y va. Allez, on y retourne. Le combat du siècle. Oh, j'espère que je vais l'avoir, quand même. Non, mais, ça risque d'être lourd, sinon. Je sais pas s'il m'attaque parfois. J'ai l'impression qu'il m'attaque pas tout le temps. Bon, il prend cher, quand même. Hein. Il y a du sang. Il y a du sang, les amis. On va y arriver. On veut le tuer, cet alpha. On veut tuer la bête. Attends, on arrive à gérer tous les alphas sur Terre. Je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à les gérer dans la mer. Allez, 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 allez. Allez, tu peux le faire. Allez, démonte-le. Démonte-le, démonte-le. Je crois que j'utilise toute ma barre d'énergie en fait.
Allez, un dernier coup et on remonte. On remonte, on remonte, on remonte. Allez. Bon, je vais faire ça pendant un moment, hein. Pierre, je ferai un accéléré peut-être au bout d'un moment. Alors, les amis, donc j'ai décidé de faire une ellipse. Et en fait, ça fait deux fois, hein, là. Parce que, en gros, là, j'ai fait une autre vidéo. Enfin, une autre partie. Parce que j'étais en train de farmer encore le. Comment dire, le Mosasaurus. Mais j'ai décidé de l'enlever. Hein, donc, voilà. Donc là, j'espère que ça devrait aller. Parce que j'ai trouvé que c'était très long. Je pensais être arrivé à la fin. Mais en fait, non, hein, pas du tout. Non, non, non. Non, non, on était très loin du but. Alors, par contre, je sais pas où il est parti. J'ai détourné l'attention deux secondes. Alors, est-ce qu'il s'est planqué? Ouais, ouais, ouais. Je me demande s'il s'est pas barré, le filou. Où est-ce qu'il est, là? Il est pas parti. Ah, il est là, voilà. Il s'est caché. Il s'est caché, voilà. Et à mon avis, en fait, si vous voulez, quand je l'ai attaqué, au moment, il s'est barré. Alors, je pense que... Ouais, voilà, regardez. Il a plus du tout de point de vie. Ça devrait être faisable. Mais heureusement, j'ai envie de dire que j'ai le Kraken. Parce que honnêtement, avec le Mosasaurus, ça aurait pas été possible. Ça aurait pas été possible dans le sens que le Mosasaurus fait plus mal peut-être, mais le Kraken, l'avantage qu'il a, c'est qu'il peut régénérer. Alors c'est un petit peu malin de ma part. Oh, je l'ai eu. Oh yes. Oh my god. Attends. Est-ce qu'il a un truc sur lui ou pas, s'il te plaît? Oh, déjà 100 perles noires. Oh my god. Alors lanceur de feu d'artifice. Alors il va falloir que je jette ça. Tu peux. Ok, alors attends, je vais venir. Attendez, parce que je viens de jeter 50 perles noires quand même. Oh non, je l'ai jeté dans le corail. Oh non, je ne le retrouverai jamais. Ah bah alors, ah si c'est bon, c'est là. Ok, alors tu vas prendre ça pour moi s'il te plaît. Oh, le lanceur de feu d'artifice fait exploser vos ennemis avec style, avec l'aide des feux d'artifice colorés. Oh yes. Et masse level up, bien sûr. Ok, garde ça sur toi s'il te plaît, j'arrive. Ne bouge pas. T'as pas intérêt à bouger, je te le dis. Oh, c'est trop cool. Oh, c'est trop cool. Mais attention, voilà, je prends les perles noires. Les perles noires. On va remonter ça à la surface. Avec tout ça, impeccable. Voilà. Alors, en plus, j'ai utilisé une petite technique assez sympa. Si vous voulez, en fait, le Mosasaurus, au final, peut monter très haut. Et en gros, bah, j'ai tout simplement, je suis descendu sans mon stuff de scuba. C'est pour ça que je l'ai pas usé totalement. Y a moyen, franchement, parce que j'ai la flemme de le réparer. Du coup, j'ai préféré, bah, tout simplement, en fait, j'étais sans stuff, tout simplement. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Le reste, c'était pas. Oh, une canne à pêche, cool. Ouh, méga canne à pêche. Celle-là, on peut l'acheter. Et puis c'est bon. Ouais, je pense que ouais, c'est pas trop mal. On va juste prendre les narcoberries et on va se servir au niveau de la nourriture. Le Kraken va se faire plaisir. Du coup, en gros, si vous voulez, en fait, j'y allais jusqu'en bas. Je l'attirais en haut et après, bah, moi, du coup, j'avais le temps de prendre mon oxygène et je repartais. Enfin, je l'attaquais sans avoir besoin d'avoir la bouteille d'oxygène et tout. Parce que même la nuit, on voit que dalle. C'est un délire. C'est un délire. Bon, allez, on remonte. On remonte. Allez, les pépères. Allez, les pépères. Ok. Bon, alors. J'aimerais bien voir, est-ce qu'il est full? Ah ouais, il est full. Oh non. C'est pour ça qu'il a du mal à avancer. Il faudrait que je jette de la viande. J'ai pas le choix. Oh, il a trop de viande, hein, franchement, il a trop de viande. Ok, en fait, je viens de voir, ouais, c'est les perles. Je confirme, c'est les perles, les amis. Donc, j'ai retiré un petit peu de bouffe, mais je suis toujours très lent. Donc, un gros ellipse, à mon avis, le temps que je rentre chez moi. 208 de poids pour les perles, c'est énorme. Il fallait que je vous dise un truc. J'ai failli oublier de vous en parler. J'ai pas pu vous le montrer. Bon, en même temps, c'était pas ouf. Parce que vous aurez rien pu voir. C'est pour ça, je voulais vraiment filmer cette partie-là. Mais... c'était trop sombre, même avec les gammas à fond, enfin ça aurait fait sale sur la vidéo. C'était vraiment trop compliqué. En gros, si vous voulez, quand je le faisais remonter à chaque fois et tout, eh ben on peut voir quand il est quand même assez haut, pas loin de la surface, on peut voir effectivement l'aura rouge. Voilà, je me suis dit, bon, je leur en parlerai, mais vous avez absolument rien raté, c'est la même aura en fait, si vous voulez, que on les Alpha Rex, les Alpha Raptor et tout, sauf que là c'était en plus gros. Mais bon, moi déjà je voyais que dalle la nuit, c'était horrible, même avec les gammas augmentés, les amis, je sais qu'il y a ce système là. C'est très sombre et voilà, et en plus YouTube. On va dire assombrir un petit peu les vidéos, c'est ça qui est un peu dommage. Donc, bah écoutez les amis, je vous retrouve une fois à la maison, hein, souhaitez ma bonne chance parce que ça risque d'être très très long. Donc je vous dis, bah attendez, on va appeler Mas, déjà ce sera mieux. Je vous dis à toutes les amis. Et me revoilà les amis. Alors donc, je suis pas à la maison. Oui, vous avez remarqué, vous êtes très fort. Hein. Non, j'ai tout déposé à la maison, mon Kraken, enfin tout, absolument tout a été déposé. Alors, je suis revenu ici, alors avec mon ici, d'ailleurs, je vous le présente, c'est mon tout nouveau petit dauphin. Oui, attendez, il a pas, la texture n'a pas encore chargé. Ça, en ce moment, c'est un petit peu le bug sur Ark. On dirait un truc en pâte à modeler, tu sais. Et plus sérieusement, donc lui, je l'avais tamé en hors caméra, bien sûr, donc c'est pour ça que vous l'avez pas vu entre deux. Mais... en fait, tout à l'heure, quand j'ai tout simplement tué l'Alpha Mosasaurus, j'avais oublié de vous dire un truc.
un truc que j'ai vu aussi également quand j'étais en train de simplement de le chasser en hors-cam, parce que bon, sinon ça aurait été trop long. Et en gros, les amis, il y avait, regardez, tout, enfin, ceci au fond de l'océan. Donc je pense que c'est juste, vous savez, les petits beacons, enfin les petits cadeaux, etc. Mais j'avais oublié de vous en parler, voilà. Donc, parce que c'est quand même la première fois qu'on en trouve un, il me semble. Il est d'ailleurs très joli. Est-ce qu'il y a un truc dedans? Oh! Ah, mais ça, c'est pour le crafter. Ouais, ouais, non, non, c'est vrai, j'allais dire, what? Oh là là, c'est génial ça, en fait, tous les meilleurs trucs, on les trouve sous l'eau. Oh, excellent! J'avais déjà entendu parler que, oui, effectivement, tous les items assez rares, on les obtenait comme ça, dans les espèces de butins, là, qu'on avait également aussi dans les coffres. Enfin, dans les coffres, dans les... non, dans les mêmes trucs, qu'est-ce que je raconte, mais dans les grottes, plutôt. Mais ouais, pas mal, ok. Non, mais au début, j'ai trop cru que j'allais trouver un truc tech, quoi. Non, mais laisse tomber, quoi. J'allais dire, oh, trop bien! Mais non, 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 c'est pas possible, là. C'est uniquement avec les boss. Uniquement avec les boss. Ah bah, écoutez! Bah les amis, on se retrouve quand même à la maison, mais cette fois-ci c'est sûr, hein, je vous retrouve à la maison, vous inquiétez pas pour ça, je vous dis à tout. Et voilà, c'est bon les amis, je suis rentré à la maison et on va pouvoir du coup crafter le lance-patate, parce que mine de rien j'en ai pas, hein, aussi étonnant que ça peut l'être, j'en ai absolument pas, et on va fabriquer une roquette. Voilà, comme ça, on va pouvoir tester quand même ce petit feu d'artifice. Ça va être génial. En plus, c'est la première fois je crois que j'ai un lance-patate dans la série classique. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Alors, voilà. Le lance-patate. On remercie beaucoup l'escargot qui a beaucoup contribué à ceci. Ok, alors. D'accord, donc on le met dessus. Ouais, c'est bien connu, d'accord. Donc, c'est bien en plus parce que la nuit va pas tarder d'arriver. Il y a un Quetzal. Un Quetzal qui a regardé la tête qui sort tout simplement de la. Comment dire, de la volière, c'est complètement étrange. Alors, du coup, ce lance-patate, voilà, on équipe, tac, 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 on va éviter... Oh! Ah ouais, ça change carrément le skin! American! Fuck yeah! Styly! Ah ouais, mais attends, c'est par rapport aux couleurs américaines? Ouais, je pense, ouais. Ouais! Ok, peut-être, ouais, ou alors peut-être pas, je sais pas. Ok, alors... Là, le must, ça serait... Bon, on peut en tirer une déjà comme ça, parce que je vais pas être capable d'attendre... comment dire, la nuit. Mais je vais en montrer une avec la nuit, bien sûr. Mais moi, un petit peu, ça se passe comment? Je vais tirer volontairement contre le sol. Je vous le dis, hein, parce que sinon... Ah, d'accord, c'est... Wow, c'est génial! Oh my god! Oh! Oh, mais c'est... Oh mais c'est que c'est excellent. Oh mais c'est énorme. Bah écoutez, et les amis, j'attends la nuit et on reteste ça avec grand plaisir. Et voilà, c'est bon. Les amis, il fait nuit et on y va. On va tester le feu d'artifice. Attention, on va, parce que j'ai peur que si je tire dans le ciel, ça ne serve à rien. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas grave, on va essayer, attendez, comme ça. On va se mettre là, ouais, comme ça, vas-y, c'est parti. La pointe du truc. Oh, c'est génial. Excellent! Ah, oh, c'est excellent! Ah ouais, c'est génial! Ah, oh, c'est génial! Vous avez vu ça, les mecs? Ah, oh, c'est génial! Je parle à Médido, tu sais. Oh, c'est excellent! Par contre, on voit plus rien, donc on va prendre la torche tout de suite. Oh, mais c'est trop cool! Je crois que j'ai un petit pistolet qui fait la même chose, mais... Ah, oh, c'est trop cool! Franchement, ah, c'est propre, hein, c'est propre, propre, propre. Ah, là, tu peux tuer quelqu'un avec classe, ça c'est clair. Eh ben, écoutez, eh ben, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On aura découvert déjà l'Alpha Mosasaurus. On a eu aussi, effectivement, la récompense de cet Alpha Mosasaurus, qui est tout simplement génial, selon ce roquette d'artifice. Ah, écoutez, on a bien sûr testé, on a vu que c'était... carrément trop bien, moi je croyais que c'était genre une seule boule, tu sais tout, non non même pas, il y a plusieurs artistes, hein, c'est génial. Bah écoutez, les amis, merci à tous de m'avoir suivi sur cette vidéo, n'hésitez pas à faire péter cette barre de pouces bleus, tout comme un feu d'artifice, comme on a pu le constater juste avant, à liker aussi, donc du coup comme je viens de lire la vidéo, à vous abonner, surtout à la chaîne, et aussi à la partager, merci beaucoup les amis, c'était FurJumper, je vous dis à très bientôt, ciao les...